Hey, salut tout le monde et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS4 avec l'Inde. Avant de faire le petit... Avant de jouer, je voulais juste vous dire que si vous êtes des garçons, la majorité de ma communauté c'est des garçons. Et je sais que j'ai quand même quelques filles qui me regardent, donc salut à vous hein, les filles. Mais si je regarde mes stats YouTube, plus de 97% de ma communauté ce sont des mecs. Donc messieurs, saviez-vous que je viens tout juste d'avoir la notification. Alors pour vous dire, je rec, on est le jeudi 8 décembre. Voilà, donc je viens de rec, je viens de commencer le rec, et là je vois dans mes notifications BFM, France TV, France News, etc., France Info, pardon, etc., ils me disent ouais, Emmanuel Macron indique que les préservatifs seront gratuits pour les 18-25 ans. Alors gratuit, évidemment, vous l'avez bien compris, ce n'est pas gratuit. C'est le contribuable qui paie, parce que qui paie l'État, ce sont les contribuables. Ou alors c'est les créanciers par la dette. Donc la majorité de la dette appartient aux Français, parce qu'une bonne partie de vos assurances-vie et une partie du livret A, si vous avez mis de l'argent dans le livret A, sert à payer la dette de la France. Donc ça, voilà, je vous dis un petit truc comme ça, prenez-en de la graine. Non, je rigole. Je rigole. Mais voilà, donc ce n'est pas gratuit entre guillemets. Mais voilà, c'est... Voilà, donc pour ceux qui ont envie de faire l'amour, qui ont envie de s'extasier, de faire des olé-olé avec leur demoiselle, avec d'autres, enfin avec demoiselle ou mec, hein, ça ne veut pas forcément dire que... Vous êtes hétérosexuel, vous pouvez être aussi homosexuel, donc si vous avez envie aussi de faire olé olé avec votre mec ou avec votre meuf, ou avec des non-binaires ou je sais pas quoi, là, bref, tout, avec tout le monde, même avec Emmanuel Macron, n'hésitez pas à acheter un préservatif gratuit, entre guillemets, voilà, donc ça sera en 2023, voilà, 2023, on pourra, entre guillemets, ken gratuitement, entre guillemets, hein, vous l'avez bien compris, bref, fin du blabla, jouons. Jouons et augmentons un petit peu le nombre de personnel médical. Très important. Alors un peu plus de personnel médical. 5,81% de croissance. PIB en hausse. L'inflation qui tend à baisser, qui est à 5,5. 5,5. Donc on est plutôt bon. La santé, ça va mieux. Alors, j'en ai parlé dans le dernier épisode que, au niveau militaire, pour le moment, on va stopper hein, les commandes. On a fait énormément de commandes. Et en fait, c'est trop. C'est trop pour le moment. Trop de commandes. Attendez. Adhésion acceptée. Mes félicitations, Madame la Présidente. J'ai le plaisir de vous annoncer que votre pays fait désormais partie intégrante de notre organisation, la Cour pénale internationale. L'ensemble des États membres se sont clairement exprimés en faveur de votre adhésion. C'est un grand jour pour l'Inde, mais aussi pour la Cour pénale internationale. Bah c'est très bien. Oups. Moudjahidine. Normalement il y a un mec. Voilà, il y a toujours quelqu'un là-dedans. Pardon, stop. On va juste éviter d'aller trop vite parce que j'ai plein de notifications. Après, je les perds et ça me saoule. Ici, ça donne quoi? On n'a rien. Et califat djihadiste. Ah, bah tiens, on a un petit nouveau. Coucou, fin du contrat numéro 195. Ouverture des Jeux Olympiques d'hiver. On vous écoute, monsieur Premier ministre italien. Cette neige immaculée et l'écrin au sein duquel vont maintenant briller ces athlètes dont le cœur n'aspire qu'au dépassement de soi. Je leur souhaite bonne chance pour défendre avec fair play leurs couleurs et gagner les plus hautes marches du podium. Je déclare ouvert les Jeux Olympiques d'hiver. Hop. C'est parti. Notre grand réalisateur a reçu le prix du meilleur... Très bien. Mais c'est bien, ça montre un petit peu là. Non mais par contre, les émissions de CO2, allô? Pourquoi ça augmente autant? On était à 500 et maintenant on est à 700. Aucune idée de pourquoi ou du comment. Si quelqu'un a une explication tangible, je la prends. Avec volontiers. Un de mes hommes a... Très bien. Moi, ce qui m'importe notamment, c'est le logement. Le logement, c'est très important. Du coup, on a fini. Ils ont fini les médias, là? Non, c'est toujours pas fait. Bon. Ici, ça construit toujours. Quel est notre niveau de croissance? 5,70. Attendez, ça refait un calcul. C'est long. C'est très long. 5,60. Donc, ça diminue. 5% d'inflation. C'est magnifique. Changement de régime défavorable en Ukraine. Agent non sécurisé. C'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que lorsque vous avez des terroristes, des organisations terroristes, il faut toujours avoir les yeux sur les organisations. Très important. Ça, il faut le savoir. C'est très très important de garder des yeux rivés sur tout ça. Force du Pakistan. Oui, on accepte. Mais putain, mais ça fait que d'augmenter. Je comprends pas. Bon. Tant qu'on a de l'éducation, je voulais juste voir aussi quelques données au niveau de l'éducation. Déjà au niveau de la démocratie. Bon, c'est beaucoup mieux. Au niveau de liberté de la presse, on est large. Au niveau des relations internationales, parce que étant donné qu'on a amélioré, on a été accepté par la CPI. Du coup, au niveau des relations internationales, on devrait être beaucoup mieux. Bon, outre le Kosovo. Alors ça, je crois que le Kosovo, c'est à cause de la Serbie. Parce qu'on doit reconnaître la Serbie, mais pas le Kosovo. Alors, je présume que c'est à cause de ça. Thaïlande, Birmanie, Tanzanie, Afrique du Sud. Même les États-Unis, on s'entend bien. Les États-Unis, on est. Ah bah, c'est la droite. Donc évidemment, eux, ils vont m'apprécier. Ok. J'ai pas eu une légère amélioration de mes relations diplomatiques. Attendez, c'est Gabriel Attal? Marcelin From de Brebis. From de Brebis. Non, c'est pas Gabriel Attal. Je sais pas c'est qui. Ok, il y a un sbi. Ah, d'accord. Je me disais, mais attendez, mais ils ont annexé la Pologne, c'est pas possible. Elle va mourir. Oh merde alors. Putain, on dirait Eva Joly. Anke Kolikske. Putain, on dirait trop Eva Joly. Ok, ben salut Eva Joly, hein. Bonne chance. Bonne chance. Moi, pendant ce temps, j'ai de meilleures relations diplomatiques. Par contre, avec le Bangladesh, toujours incompréhensible qu'on ait toujours des hostilités. Mais ça fait quoi si je les attaque? Et déjà, on va porter à l'ONU. On va dire à l'ONU... Non, pas le Bangladesh. L'Iran. Parce qu'on a des preuves. Que l'Iran fait la merde. Que l'Iran fait de la merde. On a la preuve. On a des preuves. Devant les atteintes systématiques et inadmissibles au droit international dont cet État voyou se rend coupable, je demande au Conseil de sécurité de prendre ses responsabilités et de nous donner l'autorisation d'intervenir militairement. Il faut faire vite. Le chaos peut être encore évité. Magnifique, mesdames et messieurs, évidemment. On va voir ce que va dire l'ONU. Attendez, c'est quand l'ONU que ça passe? Les résolutions en attente. Quoi? Hein? Comment ça, ça passe pas pour le moment? Ah, oui, voilà, donc c'est ça. Demande en cours d'évaluation. Allez, hop. Par contre, il faut vraiment qu'on rétablisse un peu notre... On va augmenter les riches. Hein. Parlement est pour, hein, c'est plus important. Ça, on peut pas le modifier à 1,60 m. Ah non, parce qu'ils sont malins, ils sont malins. Donc, un programme. Un de mes hommes a réussi à filtrer. Très bien. Non mais c'est l'impôt sur les plus riches, donc en soi, on s'en fout. Putain, je fais trop de dépenses. Trop de dépenses. Va falloir augmenter un peu les taxes. Allez, on va augmenter un petit peu la TVA. Je suis désolé, mais on a besoin d'argent. Le coût porté peut... Parce qu'on peut pas s'endetter. Ah mais ça va, on a un excédent en fait. C'est passé à l'ONU? Toujours pas. C'est pas encore passé. Bon, il faut qu'on réduise un peu notre train de vie. Ou alors on augmente les impôts. Bon, on a déjà... vraiment très bien augmenté les impôts. Les impôts ont beaucoup augmenté. Après je pourrais... classement sans suite. Quoi? Ah merde, parce qu'ils ont plus le... Formidable. Eh oui, parce que le mec c'est un nouveau. Du coup on n'a plus d'informations secrètes sur lui. Est-ce que j'ai des services secrets encore? Oula, j'ai pas vu. Bon bah c'est bien, on a de moins en moins de terroristes en plus. Ok, lui je l'ai, lui je l'ai. Ici il n'y en a pas. Ici il n'y en a pas. Et ici il y en a un. Bon, ils sont tous, enfin ils sont quasi tous bons. On les a tous implantés. Après, ça serait pas mal de mettre une base en Irak. En plus, je crois que c'est ce que je voulais faire avant. C'était de mettre une base en Irak. Une grande base aérienne. Déficit en pourcentage du PIB. Oh, mais non, la Chine. C'est abusé, la Chine. 8%, 9%. Enfin, ça fait 9% de déficit. Inflation, chômage, croissance... Pas ouf, hein, votre croissance, les Chinois. Hein. Cérémonie des awards. Oh là 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 là, notre croissance en plus qui baisse. Notre inflation qui baisse. Bon, tant que notre inflation baisse, c'est bien. Pour le moment. Je dis bien pour le moment, parce que ça ne veut pas forcément dire que c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est bien, on est dans une période de désinflation. Il faut continuer, mais il faut rester attentif. Bon, hop, logement insalubre, pif. 798 000 logements insalubres, loin sur la TVA, loin sur l'impôt sur le revenu. Le vote a eu lieu. Très bien. Bon, bon, je m'en fous de tes projets. Taxe sur les droits de succession. On va le porter à 8. Merde alors, c'est un peu plus cher. Un de mes hommes a réussi à... Évidemment, je fais tout pour taxer en priorité les plus riches, même si la taxe des droits de succession, ça aussi impacte les plus modestes, évidemment. Mais bon, la taxe carbone, vu que ça fait que d'augmenter le prix du carbone. Ça passe à l'Assemblée? Oui, large. Et ça fait que d'augmenter encore les émissions de gaz à effet de serre? Oui. Je peux bien... Putain, le prix au carbone, il est cher. Hein. Et notre balance commerciale qui fait... Ah, ok. Vas-y, bonheur. BNB. Au niveau de l'emploi, c'est si catastrophique que ça. 7%. 4,87% du PIB, c'est que dalle. Est-ce que je devrais pas baisser encore les taux d'intérêt, enfin baisser les taux d'intérêt, faire une politique de baisse des taux d'intérêt? Je vais la baisser. Je vais baisser le resserrement monétaire. J'ai allégé la politique conventionnelle de la Banque centrale. Un petit peu. Ça va nous donner de la croissance. Et en plus, ça impacte beaucoup moins mon déficit budgétaire. Selon mes calculs, le bénéfice informationnel, en termes géopolitiques... Non. Menace militaire en Afghanistan. Bon. Bon, là, on est en train de réduire notre train de vie, hein, vous l'avez bien compris. On a une inflation qui baisse. Ouais, il y avait un bug, hein, vous l'avez bien vu. 4,79 ici de croissance. Notre dette, elle explose un petit peu. Hein. Sinon, en baisse, c'est bien. Ok. Et si on regarde le journal, ça donne quoi? Changement de régime. Le best-seller Fonction présidente de l'Inde, entièrement consacré à sa vie, sa politique, ses erreurs, ses objectifs, est élu livre du mois. Dernier sondage. Les couches très aisées de la population jugent scandaleuse l'augmentation de l'impôt sur le revenu. Quoi? À Lature, 29 salariés ont été arrêtés. Ils formaient la création d'un syndicat clandestin. Ah oui, c'est vrai que c'est toujours illégal, hein, les syndicats. Hein. On a un seul syndicat, donc je peux bien dire que Suneta Panza fait du bon boulot. Puis travailleur avec sale gouvernement. A salué Depali Chadersa, notre doyenne nationale. Ah oui, c'est ce qu'elle m'avait dit en plus. Diminution des taux d'intérêt. Putain, c'est écrit en gros. Hein. Hausse du bonheur en Inde. On dirait qu'on est sur BFM TV. BFM Business, pardon. Diminution des taux d'intérêt. Incroyable. Un article local critique la communauté hindoue, décrite comme une secte moderne et appelle les habitants à fuir ces lieux de culte. D'accord. Bah pourquoi dénigrer, ça n'a pas de sens. Ils font ce qu'ils veulent. Bon, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la baisse de l'inflation, mais aussi quelles vont être les répercussions. Normalement, une baisse de la politique conventionnelle monétaire de la Banque centrale... baisse du coup les taux d'intérêt et le taux d'usure des banques, et du coup ça permet du coup à faciliter le crédit. Donc faciliter le crédit, c'est faciliter de consommer, faciliter d'investir pour les entreprises. Voilà, 5,73. Voilà, bon ben ça c'est très bien. Enfin, juste de un petit de 2 points, on est large. Un de mes hommes a réussi à filtrer le centre névralgique. Selon mes de 200 points, pardon. Bénéfice informationnel en termes géopolitiques. Ouais, ouais, ouais. Le vote a eu lieu et le... On baisse de 200 points et boum. Tout va bien. Le coup porté peut... Ok. Les Moudjahidines, ça va durer longtemps ce truc. Hein. Purée, eux, on va les avoir longtemps, j'ai l'impression. Je peux pas baisser mes dépenses là-dessus. Au niveau de la dette, on en est où? Prochain excédent, 15 milliards, 16 milliards. Bon, heureusement qu'on a une balance commerciale positive. Hein. Mais ça, je peux pas voir si ça augmente ou pas, là. C'est insupportable. PIB en part mondiale, ça fait que d'augmenter. PIB en milliards, ça monte. Prévision de croissance, très bonne. On est large. On est très bon. On fait du bon boulot, là, mesdames et messieurs. Oups. On va juste augmenter un petit peu le salaire. Ça aussi, on augmente. Temps de travail hebdomadaire. On va le passer à 39 heures. Hop. Ça va être populaire. Mais par contre, ça va faire baisser ma croissance. Mais on peut encore baisser la croissance avec la politique monétaire. Est-ce que ça va baisser ou ça va être ou ça va se neutraliser? Même, est-ce que ça va même augmenter? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que ça va monter avec 5,73 de croissance, 5,61? Est-ce que ça monte? Non, ça baisse. Ok, c'est bien. Formidable. Très bien. En plus, on a un déficit qui baisse. Quoi? L'Afghanistan, c'est une colonie. Pourquoi ils nous espionnent? Bon, en balance commerciale, on vient d'atteindre les 20 000 milliards en volume annuel. c'est énorme. 20 000 milliards d'euros en volume annuel, c'est énorme. Bon bref, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve la fois prochaine. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée. Salut à tous.